Bonjour et bienvenue pour la présentation du jeu Les Cartes d'Or de Sarah Pilati avec des illustrations d'Alessia Gugliani, une préface d'Ariane Vitalis. C'est un jeu qui est édité aux éditions du Souffle d'Or qui se présente dans une boîte en carton rigide et qui vous propose un livre et 108 cartes. 108 cartes afin de stimuler notre intuition, nous sentir en lien avec notre être, avancer avec douceur sur notre chemin. Les cartes nous accompagnent au quotidien pour pacifier les colères, les peurs, les doutes et renforcer les qualités essentielles du courage, de la beauté, de la gratitude et de la liberté. Voilà, donc vous avez dans ce jeu un jeu qui est divisé en deux parties avec d'un côté 36 cartes d'inspiration pour se reconnecter à l'espace sacré en soi-même, pour accueillir les rêves d'or et donner vie à ce qui nous nourrit. Elles sont la voix de l'être et de la source qui nous guide pour des retrouvailles d'amour avec soi. Et ensuite, vous avez 72 cartes qui vont vous parler de l'alchimie, de la transformation. Donc ces 72 cartes alchimie offrant des clés simples à appliquer au quotidien comme des méditations dynamiques, des affirmations, développer ses qualités essentielles, des défis relationnels, des actions pour le monde. Et les exercices proposés opèrent une transformation sur le plan physique, énergétique, émotionnel et mental. Il est très encourageant d'être tout de suite soutenu. Les étapes nécessaires à notre évolution sont déjà devant nous. Voilà, et c'est une belle proposition. J'ai beaucoup aimé avoir des propositions, des mises en action. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc, le coffret. Et comme ceci, c'est un joli coffret blanc, assez sobre, mais très très sympa, blanc et or, comme ça. Vous avez le livret qui est ici. Et à l'intérieur, hop, les 108 cartes. Bon, la boîte, voilà. Moi, ça, c'est quelque chose que je vais juste retirer. Parce que vous voyez, d'ailleurs, ça s'est déjà découpé. Donc, aucun intérêt. Je préfère mettre les cartes comme ça. Donc, voilà, au niveau de la boîte. Comme je vous l'ai dit, il y a deux parties à ce jeu. Il y a d'abord les 36 cartes d'inspiration, puis les 72 cartes d'alchimie. Sur les 72 cartes d'alchimie, vous allez retrouver des actions, des méditations, des choses à mettre en action. Donc ces 72 cartes d'alchimie, elles ne vont pas être présentées dans le livre, puisqu'il y a déjà, tout est indiqué déjà sur la carte. Par contre, avant ces 72 cartes d'alchimie, vous allez retrouver les 36 cartes d'inspiration, et vous allez les retrouver dans le livret. Dans le livre qui l'accompagne, voyez, vous retrouvez le petit texte qui est indiqué sur la carte et un développement avec à côté. Donc je vous ai fait un tirage en direct, je vous mettrai ce tirage à la fin de la vidéo pour que vous puissiez le voir, je vous mettrai le lien vers ce tirage, comme ça vous pourrez avoir une idée de la façon dont se présente ce jeu. Voilà, alors on vous présente, je vais vous le reprendre au début, hop, je pousse les cartes. Donc vous avez la préface avec l'introduction. Une idée de ce qui est l'âme, l'esprit, l'humain et le tout. Comment utiliser ce jeu? Donc comment effectuer un tirage? On va vous proposer plusieurs choses. Les différents modes de tirage. Tirage par thématique. La thématique des cartes alchimie, vous avez à chaque fois la thématique des cartes inspiration ou celle des cartes alchimie. Vous avez des tirages par nombre. Il est possible de choisir un numéro entre 1 et 108 qui t'inspire aujourd'hui ou qui a une signification particulière pour toi dans ta vie. Et ensuite, vous allez vous référer justement au nombre que vous avez choisi. Le tirage par titre, les cartes alchimie offrent les deux possibilités de tirage par nombre ou par thématique avec un titre évocateur, une image qui capture l'essence de la carte et un texte descriptif clair et spécifique. Et là encore une fois, on vous remet les challenges, les actions, les affirmations pour les cartes alchimiques. Un tirage intuitif, où vous allez piocher une carte au hasard.
un tirage en groupe, une mise en situation avant d'effectuer le tirage. Et on vous invite à travailler voilà, sur le souffle, sur la respiration. Donc c'est très intéressant, on vous propose la respiration, le pranayama. Hop. Que l'on peut pratiquer en yoga également. La posture, la pratique, la posture du corps, la posture des doigts, les mécaniques de la respiration, la méditation avec les cartes, la visualisation. Voilà, et que faire après un tirage? Ça, c'est vrai que les cartes ne nous disent pas beaucoup cette question, mais qu'est-ce que je fais après un tirage? Donc là, c'est intéressant, on vous propose voilà, de ce que vous pouvez faire après un tirage, après avoir tiré une ou plusieurs cartes. Prends le temps de les observer, de les ressentir, de voir ce qu'elles éveillent en toi. Chaque carte a une vibration qui va résonner en toi. Sois attentif, attentive à ton intériorité. Je t'invite à te procurer un beau cahier où tu peux reformuler le message du tirage du jour avec tes propres mots, reprendre, répondre aux questions suivantes et peut-être un début pour faciliter l'expression. Comme évoque cette carte, vient-elle éclairer ce que je traverse, etc., etc. Voilà, et ensuite on a donc les 36 premières cartes, puis à la fin une conclusion et la présentation des auteurs, de l'auteur et des illustratrices, de l'illustratrice, pardon. Voilà, et des petites annexes qui sont bien sympathiques avec les chakras, le qigong, les mandalas, le son Aum, la naturopathie, le voyage au cœur du féminin sacré et une bibliographie. Voilà, donc il est assez complet, le jeu est très complet aussi, donc je vais vous montrer les cartes. Voilà, elles ne sont pas dans l'ordre puisqu'on a fait un tirage dernièrement ensemble, donc je vous mettrai ce tirage à la fin de la vidéo, donc comme ça vous pourrez cliquer dessus et aller voir ce tirage et voir comment les cartes vous parlent. Ici nous avons les cartes d'inspiration, ici les cartes alchimie, on va commencer par regarder les cartes inspiration. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez lire les textes, comme elles sont assez nombreuses, je vais essayer de vous les passer quand même assez rapidement. Voilà, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Thank you.
Voilà un très joli dos de cartes aussi que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Au niveau des cartes, elles sont de bonne qualité. Je pense qu'elles ont même un vernis soft touch parce qu'on a cette impression vraiment toute douce dans les mains. Donc très très joli. Et un très beau jeu pour mettre en application, pour mettre en application aussi certaines choses dans notre quotidien, des méditations, des actions, des affirmations. Donc très intéressant à ce niveau-là, je trouve, d'avoir une proposition d'action concrète à réaliser. Donc, je vous glisse en plus ici le lien vers la vidéo où nous avons réalisé le tirage ensemble, c'était un tirage du matin, à droite ou à gauche. De l'autre côté, vous avez mon petit logo pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Bye bye !